directeur général de Dakar Demdik, du transport des enfants au cheval de bataille. Depuis, que de correspondances, que de sensibilisation, que de plaidoyer, que de promesses en vain. C'est donc avec le général et les couches vulnérables en particulier. Je veux nommer M. Moussa Diop. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, je puis vous témoigner qu'il s'est conformé à toutes les promesses tenues lors de l'audience qu'il nous a accordée. C'est donc l'occasion de lui dire merci au nom des parents, des enfants et de tout le personnel. C'est que le secteur du transport est trop important dans la prise en charge des enfants. En effet, il impacte sur les soins, non-respect des rendez-vous, le quantum horaire, grand absentéisme, le recrutement, non-enrôlement d'enfants ou abandon en cours d'année à cause de leur indisponibilité pour cause de panne. Le budget, panne récurrente et réparation coûteuse, le climat social, grève des syndicats. Vous comprenez donc notre satisfaction pour ce geste d'une grande opportunité. Actuellement, nous n'avons que 2 bus qui assurent le service, soit 70 enfants transportés sur 200 demandeurs. Le gap est important. Le bus que nous allons réceptionner tout à l'heure, mis dans le circuit, va permettre de soulager en résorbant une partie de ce déficit. Le maillage sera complet dans les 2 bus qui sont en train d'être dépannés par l'armée du Sénégal et ceux qui seront fournis par le ministère de la Santé seront en service. Monsieur le ministre, votre avènement à la tête de ce département est assurément un salut pour le centre. Vous vous êtes tout de suite engagé, j'allais dire spontanément, à nos côtés pour résoudre les problèmes du centre Talibou-Dabo et le mettre dans les rails de l'émergence. Votre présence à cette cérémonie en est encore une illustration patente. Nous n'avons pas assez de mots pour vous dire merci. Personnellement, je voudrais ici solennellement vous dire merci pour l'accompagnement, le soutien, mais surtout la confiance placée à ma modeste personne. Pour terminer, j'exhorte le personnel à accompagner les changements à venir et aux chauffeurs à faire bon usage des véhicules. Aux enfants, je dis, vos problèmes de transport sont pratiquement résolus alors que l'année 2018 soit une année de réussite dans les études. Merci de votre aimable. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci Madame la Directrice. Elle attend, vous avez anticipé sur ça. Et aujourd'hui, l'emploi, elle attend, le financement des projets, elle attend, la haute autorité. Mais c'est ça, au fait, qui est important. Nous avons une vision.